ببيبيا لسي أشتوني شكون ببيبيا إلي بريتو كوا هاي بيكين إذا كنت أفتح يونشي ببيبيا هاي بيدو كوا أقصدو أقل إفين كوكس آ ولا ستة أشتوني إلي بريتو كوكس آ أقل إفين كوكس دو إفين دومينان ولا ستة أشتوني ستة كوكس آ ببيبيا ستة كوكس دو Donc, il fait le PA, et je peux utiliser pour ça, oui, le PA. Mais j'ai appris une expression, coxture, acte de coxa. Donc, les bénéfices du coxture, on est là. Non, pas le mot, les coxonnés. Vous le savez, c'est la prostation, il est droit, qui va dominer l'effet coxa. Le PA, je vais chercher le trompe pour le trompe coxa, le droit. Coxa, c'est le trompe coxa, peu importe, je vais chercher le trompe coxa, le droit. Le pietro musato, voilà. Donc, le fibre stagnantini va être dominant à l'oxal. Mais nous, niger l'effet bénéfique de ce pied à l'étage de l'origine en vaseau, il a donc beaucoup de cahiers de l'oxalamine, l'infractus. On dit infractus. Mais dès que quelques épisodes, mais dès que vous voulez, on dit vaseau-construction. Donc, il faut tout dire à l'intérieur. Donc, il y a trois fleurs qui sont plutôt dilatateurs. L'état physiologique, le haut, sous les rides de la prostaglandine et l'expression de COX-2, invictible par le PA. Et le PA. Ben, le même, lorsque tu es en acide à la chétonie, tu es dans l'état physiologique, là, il y a des guéris, donc une continuité pour le PA est ici, d'inverser, hache dominant. Donc, ça, un peu dominant. Grâce, tu vas vraiment
Dat hebben we als de hele gecorrigeerd op de plan Westmeer. Doe, maar hij had ja, dat is een accident. Westmeer, die conseiller, die zien, die zijn niet aan de kwestie. En dan hebben we, kou. Maar ja, je kunt met je protection, je kunt accelereren en accelereren. Voilà. Que l'inflammation ou l'oncologie. Donc on est dans le phénomène pathologique. Ah, c'est une physiologie. Et bien que l'inflammation chronique, donc pour y avoir les rhumatoïdes, les virus, vascularis, les cancers, la maladie chronique, et bien ça va être des grands individus qui construisent. Au choix, le continent et surtout la lipoxygénase. Les maladies donc inflammatoires. La crise d'asthme, la diabète, la crise d'asthme et les maladies inflammatoires. Donc, il faut que tu te fasses. Je m'en ai dit que tu te fasses. Je m'en ai dit E2. Donc, je traite, tu auras E2. D'accord, ça, il y aura beaucoup de I2 et de beaucoup de leucotriens. P4, C4, T4, P4, sur les vies de niveau oxygène. Et ça se comprend, c'est dans les gens, il y a une phase de dilatation, vous chantiez en fracuse, là. Le dé, la fièvre, la douleur, l'attraction, les folies nucléaires, l'immunosuppression, pour qu'il y ait de la prolifération tumorale. Tout ça, c'est en faveur de la réaction inflammatoire. Avec l'hyperémie, un rougeur, quand tu vois la fiche, l'inflammation qui subit sur l'effet de quoi? De l'hyper. Vasodilatation. Donc la vasodilatation, elle est dessous, la tendance à l'hémorragie. Je n'avais l'effet physiologique qui vient pour une rentine en plus, ça a l'effet inflammatoire des I2, lié sur l'effet des COX2. C'est pour ça, à MDG, vous voyez, avec une manuelle, vous avez un problème, vous avez un problème avec COX2. Il va la courir à anti-inflammatoire COX2. C'est le petit malaise, c'est le COX2. C'est le groupe qui s'exprime sur les maladies inflammatoires. COX2, il est dominant sur les maladies inflammatoires. Vous voyez, avec la couille du COX2. Donc, quand il y a des règles, parce qu'il y a la réaction inflammatoire pathologique. Donc, il est obligé d'avoir une induction des anti-inflammatoires sélectives. Pour le cas de l'essai d'estomac. Voilà, il essaye le bras, le conseil, etc. Plus ou moins, apparemment. Donc, oui, il y a des cancers. Donc, les cancers, on peut vous exprimer pour la cause 2, et surtout les leucotriens, il n'y a pas de immunosuppression sur les cellules cellulaires. Well, c'est des réactions d'obligation, hein, de la prolifération tumorale. Donc, les écosanguines, dans les pénales, la promotion tumorale. C'est un peu comme je peux le protecteur. Comment l'action pathologique là, c'est des D2, c'est des D2 et des leucotriens. Donc, c'est l'effet D2 qui va dominer. D2 cache quoi? La COX2. Il va dominer. C'est axe des effets protecteurs, combien de fois? L'effet genre, E2. C'est un effet COX1 protecteur contre la crise d'asthme. D'avoir un effet type COX2, c'est un effet asymptique. Ma approche de couvrir l'anaphylaxis, le sueur réactif, anaphylaxis. Et il y aura bien évidemment un rapport avec les prostaglandines de bronchoconstruction. C'est ce qui va donner la bronchoconstruction à la cristal. C'est-à-dire les prostaglandines des deux et des deux. Pour terminer, je joue un peu de physiologie pour dire que c'est celui à qui est la sclérachémie, surtout les blancs. À la carte, les supérieurs, le sac obligatoire,
résultats stimulateurs des dioxines. Donc les dioxines, en fait, le chien bonjour acte une zone de pH. Le pH excite quoi sous un contenu? Excite acte de la 15 dioxygénase. Sûr, je vais appliquer des lipoxines. 15, je vais faire 5, et qu'il y aura des lipoxines. Les lipoxines sont des anti-inflammatoires, anti-dommage, anti-prolifération, je peux anti-cancérigène. Donc, pour les lipoxines, les lipoxines, les lipoxines, donc, ils sont un peu méchants. Je suis aussi l'effet de la simple hypoxygénase liée à de la cytokine. Donc, le cotrien et le costalonier ne sont pas plutôt inflammatoires. C'est-à-dire qu'ils traitent de la cytokine, tu es plutôt dans le cotrien et le costalonier. C'est-à-dire la spécialité de ce pH. La 15 hypoxygénase, à 4 de la cytokine, à l'hypoxygénase. On voit que le même a des. Elle traite le PA à 18 hydroxyne et aux abatayonies, on traite le 5 hypoxygénase pour avoir la nouvelle partenagérie pour la résolver. 18 hydroxyne et aux abatayonies, il est vrai, négatif à l'air. Et le groupe de molécules du PAB. Le PAB sur les plans, on est cellulaire, inflammation, on prend un PAB à la haine du type de quoi, la pathologie. De la coxe. Pourquoi pour la coxe, pour donner quoi? De la prostate, cyclique, droit, anti-agrément, vasodilatatrice, haïe, la physiologie, mais rire, manière, stimulus inflammatoire, la manière inflammatoire. À l'état basique, ça fait là. Manière, il y a des pH, tu sais, une de l'aspirine. Et il va aller l'aspirine. Comme s'il prend de l'aspirine. À petite dose. Et la pêche dans tout le monde, INS, couple obligatoire, obligatoire, j'ai un peu de toutes ces idées par rapport à la biologie vasculaire ou par rapport à la loupe. Il faut le matin, à 4 conseils, à 4 maladies, à 4 intérêts, la promotion des toxines, la promotion des désolines. Alors, l'omigacine, plutôt inflammatoire. Plutôt inflammatoire. Si on a une inflammation musculaire, il y a un projet de la soupe qui fait des périmides. Mais je travaille avec des immobiliers. Donc, le COX-1 est là, l'inflammation, le COX-2, je suis là. Je suis là pour faire la dilatation pour l'inflammation musculaire. C'est ça. C'est bien. Donc, le mode d'action, elle est locale. Les prostaglandines en général, les prostaglandines n'agissent pas quoi local. Intracellulaire. Pareil. Donc, vraiment, c'est l'équivalent des hormones locales. Ce n'est pas une hormone qui juge à la distance. Elle agit à cellule. Vite, on est aujourd'hui. Sinon, elle est bien adjacente. Donc, c'est ce qu'on appelle l'action paralytique. Pour le mode d'action en parallèle. Le plus souvent, c'est un mode d'action à l'esprit cassé. Donc, ce ne sont pas. On va voir qu'on doit de plus en plus divertir par le mode d'action nucléaire. D'accord, bonjour. Moi, le dominant, l'action, il y a la planète. Il agit sur les membranes par la voie de l'électricité qui casse. Même si je n'ai pas eu. Le passage de la mais bien sûr, prédilection des lignes et des sources, c'est dans le diable comme c'est dans le sang, pour le plan de sang dans la cellule endothéliale. Donc, forte chance qu'elle est dans la lune, dans le cours sanguin. Vous le devez oublier, mais surtout, il passe dans le sang, 2000 lignes, brèves, très brèves, c'est quelques minutes, mais les jours, vite, ils sont inactivés. Quel rapide au fil de l'œuf d'un, le poumon, pourquoi il y a pas, et surtout le poumon, il va être désactivé. La carte, c'est les amis. Mais sinon, il y aura une désactivation et ils seront désactivés de deux façons. 9 et 15.
pour ajouter à un séisme, ils sont inactifs. C'est ça qui fait la probabilité de toutes les exosanoïdes. Réduction du présent arrière. Et au-delà de la bêta-oxydation et de l'oméga-oxydation, ces différents rôles donc chimiques de, pour désactiver les exosanoïdes. Et un peu donc une idée donc à la des exosanoïdes. Il s'oppose, la terre fusée, il s'oppose. À la chose de la phosphate en ligne, effectivement, on vit là. Ils sont tout le monde chambres, net du lit. En cas, si il y avait des gens qui ont fait de filtration, il y a ça. Vous voyez, lorsqu'on vit, ils sont bien dans la bonne masse de lit. Vous voyez, des gars, les gars, ils sont aussi. Ils ont bien dans la bonne masse de lit, ils ont bien dans la bonne masse de lit. C'est un effet. Les producteurs digestifs. Les tâches urgiques sont morts.